Une aide pour les agriculteurs, les professionnels, transporteurs ou ambulanciers, la mesure est plutôt bien acceptée. Mais pour le reste, les familles dites les plus modestes, l'aide de 100 euros laisse un peu sur sa faim. Déjà, ils changent quelque chose. 100 euros par an divisé par 12, ça fait pas beaucoup. Ouais, mais c'est déjà un geste fait quand même. C'est un geste, c'est déjà faire le geste, on va dire. C'est déjà un bon avancement, malgré que c'est pas énorme. Vu la conjoncture, et vu ce qu'elle dépense la région, je pense que elle peut quand même donner, faire un effort de plus quand même. Hein, avec tout ce qu'elle gagne, mais je pense. C'est mon avis. C'est juste pour vous saisir. Comédien, un petit coup de peinture sur la figure. Hein. Voilà. Donc, okay, chef. S'ils aident, ben moi je suis content, mais personnellement, que c'est cher, que c'est pas cher, je mets le plein dans ma voiture, faut que je roule. Donc ça m'atteint pas en aucun cas. Voilà, mais pour les autres, ben ça peut leur aider. Ça fait très peu ça, plus 800 000 habitants, ça fait très peu ça, non? Ah ben là, on est toujours payé dedans de toute façon. Pour moi, on est toujours payé dedans. Oh là là, non, non. 5 euros... Ah non, c'est pas suffisant du tout. Ils aident pas la population, ils aident que les personnes qui ont déjà, qui essaient, quoi, mais la population laisse un abandon. Les petits restent petits, quoi. Le but recherché est d'effacer l'augmentation de la fiscalité sur les carburants pour 2019, mais de l'avis général, c'est donc peut mieux faire.